avec tes défaites. Premier lieu de la défaite du prophète, qu'il doit transformer en source de fête, c'est le peuple vers qui il est envoyé. Dans la première lecture, Dieu reconnaît que le travail du prophète est un morceau dur à cause de la nature du peuple vers qui il est envoyé. Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leur père ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Dieu donne la nature du peuple. Ce sont des gens à la nuque raide, c'est-à-dire à la tête dure, pour parler notre langage. À la tête dure, à la nuque raide, à la face impudente et au cœur endurci. Ils agissent sans regret ni honte. C'est un peuple têtu. Ce que Dieu dit à Ézéchiel, il l'avait déjà dit à Moïse. Je vois ce peuple, eh bien, c'est un peuple à la nuque raide. Exode 32, 9. Vous lirez la même chose dans Deutéronome 9, 12 à 13. Après l'épisode du veau d'or, Dieu dit, ce peuple, je le vois, c'est un peuple à la nuque raide. Et c'est à ce peuple à la nuque raide que Dieu envoie ses prophètes, ses porte-paroles. Dieu les connaît pertinemment bien. Exode 33, 3. Monte vers le pays ruisselant de lait et de miel. Je ne peux pas y monter au milieu de toi, car tu es un peuple à la nuque raide et je t'exterminerai en chemin. Dieu dit, je ne peux pas être vraiment au milieu de vous. Je ne peux pas vraiment marcher avec vous. Parce que vous êtes têtu. En marchant avec vous, je risque de vous exterminer. Alors, je ne veux pas être au milieu de vous. Dieu refuse sa présence à un peuple têtu. Il dit non, non. Au milieu de vous, je vais vous exterminer. C'est vrai, si je suis au milieu de vous, vous en tirerez des avantages. Mais l'unique désavantage, ce sera que je pourrai vous exterminer. Parce que moi, je suis saint. Je ne vais pas supporter vos bêtises là. Je vais vous exterminer. Le texte est beau. Hein? Il dira la même chose à Jérémie. Depuis que leurs pères sortirent du pays d'Égypte jusqu'à ces jours, je n'ai cessé de leur envoyer tous mes serviteurs, les prophètes, chaque jour, inlassablement. Mais ils ne m'ont pas écouté. Mais ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont été plus méchants que leur père. Tu leur expliques toutes ces paroles, ils ne t'écoutent pas. Tu les appelles, ils ne répondent pas. Jérémie 7, 25 à 27. Dieu dit non. Jérémie, ces gens sont comme ça. Ils sont plus méchants que leur père. Tu leur parles, ils n'écoutent pas. Tu les appelles, ils ne répondent pas. Mais je t'envoie quand même vers ce peuple. Ça veut dire que l'échec annoncé, c'est un peuple à la tête dure, à la nuque raide, un peuple au cœur endurci, à la face impudente. Il y a une double interpellation ici. Comme peuple, le Seigneur nous appelle à la conversion. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 4, 7. Faisons l'exception comme Noé. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et qu'il fut affligé en son cœur. Exception. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Genèse 6, 5 à 6, 8 à 9. Donc, on parle d'Israël.
Mais nous pouvons nous appliquer ces textes parce que nous sommes le nouvel Israël. Nous sommes le peuple de l'Église. Nous avons même reçu plus qu'Israël. Mais nous sommes un peuple à la nuque raide. Regarde toi qui es ici dans cette assemblée. Tu viens prier ici. Mais est-ce que ton cœur est ouvert? On peut dire de toi que tu es un chrétien, que même si tu es têtu chez toi, auprès de tes parents, tu es têtu à l'école, tu es têtu sur ton lieu de travail. Mais quand tu viens à l'église, tu abandonnes cette désobéissance, cette insoumission-là à la porte de l'église. Ici, je suis dans la maison de Dieu. Je suis venu chercher la face de Dieu. Je suis venu et j'ai dit, parle-moi Seigneur, ton serviteur écoute. Que quand tu viens ici, tu dis, Seigneur, je suis venu apprendre. Je ne connais pas. Ou tu viens ici en disant, tu es un connaisseur venu en inspection. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église en inspection, hein, pour voir les erreurs du prêtre, pour voir les erreurs du prédicateur. Ce ne sont pas des gens convertis. Ils n'ont pas fait l'expérience de la rencontre avec Dieu. À l'église, est-ce que tu viens pour écouter la mission que Jésus nous a donnée? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Hein? L'évangélisation doit nous aider, nous tous, à devenir des disciples de Jésus. Et disciple signifie quoi? Élève, apprenti. C'est lui qui apprend. Est-ce que tu viens à l'église en apprenti? Ou tu viens à l'église en professeur? C'est là un des fruits de notre pastoral. Et je voudrais qu'il soit pérenne. Qu'il se pérennise, même après nous. Comme je vous le disais hier, ma joie sera celle de dire à mon successeur, Monsieur l'abbé curé, je vous laisse ici à la paroisse des chrétiens. Tel est un chrétien, tel autre est une chrétienne. Ici, soyez sûr que vous n'aurez pas de problème. Ce ne sont pas des gens à la tête dure que je vous laisse. Ce ne sont pas des gens à la nuque raide que je vous laisse. Je vous laisse des chrétiens dont parle Isaïe 66, 2. Vers qui est-ce que je me tourne? Je me tourne vers le pauvre, vers l'humilié, celui qui tremble à ma parole. Je voulais dire, et je vous l'ai dit souvent, moi je ne voudrais pas faire une remise et reprise des choses. Je vais faire une remise et reprise des personnes. Mais vous savez, je ne vous laisse pas des choses, je vous laisse des chrétiens. Voilà les niveaux où je les ai amenés. Je les ai amenés à ces niveaux. Ils sont capables de. Il y a une minorité, une petite poche de résistance. Mais je peux vous assurer que vous avez ici 80% des chrétiens qui, malgré leurs faiblesses, ont compris que chez Dieu, il n'y a pas de général. Nous sommes tous des subalternes. Chez Dieu, nous sommes des subalternes. Et c'est ça qui fait la joie d'un prêtre. Bien-aimé, qu'on ne vous trompe pas. La joie d'un prêtre, ce n'est pas « Aujourd'hui, vous venez si vous me donnez, c'est pas quoi. » Non, ce n'est pas ça ma joie. Ma grande joie, c'est que mon ministère, mon travail porte des fruits. En dépit de la méchanceté générale, il y a moyen de créer. C'est pourquoi Jésus nous a envoyé. Il nous a envoyé aller dans le monde, créer des îlots d'obéissance dans cet océan d'insoumission. Apprenez aux chrétiens que moi, Dieu, j'aime l'obéissance plus que les holocaustes. C'est ça qu'on a dit au roi Saül. Dieu lui dit, le camp des Amalécites là, tu l'attaques, tu détruis tout. Vous, tout à l'anathème. Lui, il arrive là-bas, il trouve des belles vaches et il dit, je vais prendre ces belles vaches, ces belles chèvres, je vais les offrir à Dieu. Dieu s'est fâché. Dieu lui a dit non. Moi, ce que je cherche, c'est l'obéissance. Je veux des gens qui m'obéissent plutôt que des gens qui m'offrent des choses. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai dédié vous tout à l'anathème. Tu devais vouer tout à l'anathème. Tout devait être brûlé. Même les grandes, les belles vaches, les vaches grasses, tu devais les brûler. Mais toi, tu arrives là, moi j'ai dit ceci, tu changes ma parole. Tu vas perdre la royauté. C'est comme ça que Saül a perdu la royauté.
pour avoir désobéi. Mais il a désobéi en faisant quoi? En transformant les vaches qu'il devait brûler en offrande pour l'Éternel. Et l'Éternel s'est fâché. Parce qu'il dit, moi j'aime l'obéissance. Je n'aime pas les sacrifices. C'est ça qu'on chante. Hein? Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as trouvé auprès de moi? Moi je ne suis pas fort. Il dit, non, moi je ne cherche pas les hommes forts. Moi je cherche les hommes obéissants. C'est pourquoi je vous dis, mes frères, les quelques minutes que Dieu nous donne de passer en sa présence sont des minutes pour marquer son cœur. Comment tu vas marquer le cœur de Dieu? Le peu de temps que tu passes devant lui, sois obéissant. Le peu de minutes que tu passes devant lui, résiste au diable. Amen. Parce qu'il y a des gens, ils viennent à l'église, dès le premier moment, au nom du Père, ils commencent à dormir. Tu as résisté? Et le sommeil vient, et tu ne fais rien, et tu ne t'élèves pas. Et tu... Parce que quand le sommeil vient, tu peux même t'élever. Pourquoi tu t'élèves? J'ai sommeil. Ah, lève-toi. Mais le sommeil vient, tu l'accueilles généreusement, et tu lui donnes un lit. Le sommeil dort en toi. Amen. Obéissance. Donc, Noé, c'était un îlot d'obéissance dans un océan d'insoumission, de désobéissance. Un îlot de piété dans un océan d'impiété. Un îlot de foi dans un océan d'incrédulité. C'est ça que tu dois être. Donc, Dieu dit, le peuple ici a la nuque raide. Moi je vais sortir du lot. Je vais me battre pour être un chrétien obéissant. Que j'obéisse à Dieu. Je ne peux résister qu'à un ordre qui est intrinsèquement mauvais. Comme tu viens à l'église ici, j'ai dit, dis à ton voisin, tu refuses, tu es un chrétien, t'es-tu? Tu fais partie de cette race. Il y a des moments où l'épée guérit, hein, parce que tu peux avoir une balle déjà en toi. On peut la sortir à l'aide de l'épée, à l'aide du couteau. Mais la plupart des temps, l'épée tue. C'est ainsi que beaucoup de gens meurent. Quand on prêche, ils meurent. Il n'y a que les enfants de Dieu que l'épée de la parole guérit. Mais les enfants du diable sont tués par la parole. Tu entends, il te révolte, tu quittes l'église. Quitte. Mais ça ne parle pas parce qu'il est prêtre. Non. Moi, j'étais aussi un laïc, un jeune laïc. Demandez aux gens avec qui. Moi, j'ai fait les séminaires. Moi, j'étais au séminaire à Lubumbashi. J'allais à l'église, Dieu me voit, pour écouter la parole. Je ne parle pas en l'air. Parce que, ah, il dit ça parce qu'il est devenu prêtre. Non. Moi, si j'étais une jeune séminariste, pieux. Au point que moi, au séminaire à Lubumbashi, je n'étais qu'en première année de théologie. On me nomma déjà responsable de toute la liturgie du séminaire. Première théologie. Ce n'est jamais arrivé. Je ne sais pas si c'est arrivé après moi. Mais avant moi, ça n'était jamais arrivé. Ce travail-là a été donné à un séminariste de quatrième théologie. Mais moi, on m'a donné ça en première théologie. Première théologie responsable. C'est moi qui faisais les programmes de toutes les prières. Donc, qui va lire? Qui va faire ça? C'est moi. Première théologie. Avant moi, au séminaire, ce travail était donné aux séminaristes de quatrième année, ceux qui sortaient. Comme nous sommes ici des chrétiens, la réputation que tu dois avoir à l'église, c'est que Fernand n'est pas têtu. Christelle n'est pas têtu. Il y a des chrétiens qui trouvent, non, voilà, tu viens à l'église pour faire la révolution. Papa, il y a beaucoup d'endroits pour faire la révolution. Va faire ta révolution, va au Parlement, va au Sénat. Ici à l'église, nous sommes 500. Tu veux faire la loi ici? Tu veux changer le pays ici? Va changer d'abord là-bas et puis tu viendras. Ce qui nous frappe, hein, tu trouveras à l'église des gens qui devraient être têtus parce que Dieu leur a donné la beauté, Dieu leur a donné la bonté, Dieu leur a donné l'intelligence, Dieu leur a donné la sagesse, Dieu leur a donné la richesse, Dieu leur a donné des enfants, leur a donné des maris, leur a donné des femmes. Hein? Mais ces gens-là ne posent pas de problème à l'église. J'ai déjà une autre philosophie. Je me dis ça. Tous ceux qui souffrent ne sont pas des pauvres. Il y a des gens que Dieu a punis. C'est dur, mais c'est comme ça. Alors, toi, tu vas penser que tu vas l'aider alors qu'il va t'étirer, toi, dans sa misère. Il y a des gens qui souffrent.
Non, pas parce qu'ils sont des pauvres, mais parce que Dieu les punit. Dieu les a abandonnés. Dieu veut les corriger. C'est comme ici à l'église. Je corrige mon frère ici, Josaphat. Je dis, Josaphat, sors! Je le punis. Moi, je sais ce que je vais recevoir après. Je sais que je le renvoie. Comme ça, il va regretter. Et peut-être ça peut changer son attitude. Mais toi, tu sors, tu vas l'encourager. Nicolas, sœur, non, Josaphat, il n'y a pas de problème. Tu peux aller même prier à Sainte-Marie. C'est toujours l'église catholique. Donc, c'est comme ça que nous faisons avec certains pauvres. Il y a des gens que Dieu a maudits. C'est dur, mais c'est comme ça. Et puis, il y a des gens, tu vois qu'ils souffrent, c'est avec raison. Tu vois que non. Dieu a bien fait de le maintenir dans cette situation. Parce que s'il monte d'échelon, ce sont les exemples que je vous donne ici à l'église. Nous avons même des gens que Dieu n'a pas visités. Ça, ce sont d'autres personnes. C'est là qu'on voit maintenant que ça, ce n'est pas un homme puni par Dieu. Quelqu'un que Dieu n'a pas visité, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il n'a pas de famille, il n'a pas ceci. Mais il est fidèle à Dieu, il est obéissant, il est généreux. Là, tu comprends, non, celui-ci, c'est Job. Ça, c'est Job souffrant. Ça, c'est comme peuple. Comme peuple, faisons l'exception comme Noé. Dans sa génération, tout le monde était têtu. Lui fut, comme je l'ai dit, un îlot d'obéissance dans un océan de désobéissance. C'est ça que Dieu te demande. Partout où tu vas, à l'école, partout où tu vas, sois cela. Et même un chrétien, tu n'as pas de raison d'engager un bras de fer avec ton chef hiérarchique. Tu ne peux en arriver là qu'après avoir fait ceci et cela. Comme chrétien, tu as cherché la paix, tu as parlé avec lui, tu as prié pour lui. Et quand tu as échoué, maintenant tu peux dire, voilà, maintenant j'ai échoué, bon, je peux aller maintenant à d'autres instances. Mais j'ai fait de mon mieux. Tu en as parlé à Dieu, tu as partagé avec ton pasteur, et puis en fin de compte, maintenant tu peux aller faire ce que tu fais, là, toi, maintenant, sans avoir fait tout ce que j'ai dit. Le christianisme, ce n'est pas des petits moments que nous passons avec Dieu. Le christianisme, c'est toute une vie que nous menons avec Dieu. Comme prophète, ne nous laissons pas abattre par cette défaite. Oui, les gens n'ont pas cru, mais ne nous laissons pas abattre par cette défaite, parce que les gens n'ont pas cru, nous laissons tomber les... Non, non, ne laissons pas tomber les bras parce que les gens n'ont pas cru, parce que les gens sont têtus, parce que les gens sont désobéissants, parce que les gens sont insoumis. Non. Écoutons la parole du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Voici, j'endurcirai ta face pour que tu t'opposes à leur face. Là, c'est Dieu qui dit au prophète Ézéchiel, dit, j'endurcirai ta face pour que tu t'opposes à leur face. Endurcissement contre endurcissement. Je rendrai ton front comme un diamant. Ton front sera comme un diamant. Plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Ézéchiel 3, 8 à 9. Donc Dieu dit ici au prophète, non, ne laisse pas tomber. S'ils sont têtus, je vais te rendre aussi têtu. Ils sont durs, tu les seras aussi. À leur dureté, tu opposeras ta dureté. C'est ainsi que les chrétiens ne comprennent pas. Hein? Vous voyez le christianisme qu'on a eu là, hein? Des prêtres trop bons, des prêtres pas exigeants, des prêtres laissant les chrétiens faire n'importe quoi. Non. Ce n'est pas du christianisme. Le christianisme est là. Oh non, comme les gens, ils aiment l'homosexualité, comme l'église d'Allemagne. Oui, comme ils réclament, on veut toujours comprendre quel est ce parent-là qui peut refuser la bénédiction à son enfant. Allez faire vos histoires, mais il ne faut pas mettre ça dans Jésus-Christ. Faites vos histoires. Vous avez de l'argent, vous êtes devenu riche, faites comme vous voulez, mais ne mettez pas Dieu dedans. Oh non, mais les gens réclament. Non! J'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Ne les crains pas. Quand tu es dans une église, les pasteurs te craignent. Quitte cette église-là. Tu es dans une église, le pasteur te craint, ou les pasteurs en général vous craignent. Vous sentez que le prêtre ici a peur de nous. Si nous disons ça, il va suivre. Mais il va vous perdre. Il va vous amener en enfer. Le prêtre, lui, doit être un guide spirituel.
Il doit avoir quelque chose dans le cœur. Il doit avoir une vision dans le cœur. Il doit avoir un feu que Dieu a mis en lui. Avec ce feu-là, il doit vous amener au ciel. Mais si lui-même est perdu, si lui-même ne sait pas c'est pourquoi Dieu l'a mis là-bas, alors c'est un danger, il faut quitter cette église. Mon pasteur me craint, quitte cette église. Il ne te dira jamais la vérité, il ne t'aidera jamais. Moi, mon pasteur me craint, quitte cette église. Tu vas aller en enfer. Tu dois te sentir dire, ah, ici dans mon lit, je suis sûr que si tout le monde me trompe, au moins mon pasteur me dira la vérité. Parce qu'ailleurs, ici, tout le monde peut vous tromper. Ah non, c'est bien. Josaphat, c'est très bien. Oh, Anne, c'est très bien. Oh, maman, Émérance, c'est très bien. Tu ne dors pas. Non, il faut que tu aies une église. Tu dors et tu fais semblant de lire. Sois heureux, sois heureuse quand tu sais, ici, on ne me craint pas. À moi aussi, on a fait une remarque. Ah, donc ici, on peut m'aider. Jérémie 15, 19 à 20. Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Normalement, la logique, c'est ça. Toi qui es parti, rentre. Ce n'est pas au prophète d'aller te chercher. Hein. C'est toi qui t'es fâché. C'est toi qui es parti. C'est toi qui dois rentrer. Oh, mon prophète, j'ai erré. J'ai commis une erreur. Je rentre. Pas que, oh, que mes serviteurs viennent nous chercher. Non. Je peux suivre les jeunes parce que les jeunes n'ont pas encore la claire intelligence de ce qu'ils veulent. Je peux les aider. Mais on dit ici aux prophètes, hein, c'est à eux de revenir à toi. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Vous voyez la place que Dieu donne aux prophètes. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 15, 19 à 20. Le prophète, il dit, même s'ils reviennent vers toi, mais il dit, je ferai de toi une muraille. Une muraille d'airain. Une muraille de bronze. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Amen. On le voit, faire la fête avec nos défaites ici, c'est refuser que la nuque raide du peuple ne nous pousse à revoir à la baisse notre mission prophétique. Donc ici, je nous invite, un, comme peuple de Dieu, à ne pas endurcir notre cœur quand nous avons écouté la parole de Dieu. Quittons le camp des têtus. Quittons les camps des insoumis. Quittons les camps de ceux qui ont la tête dure, ceux qui ont la nuque raide. Quittons leur camp. Deux, comme prophète, j'ai parlé de moi, mais je peux parler aussi de vous parce que nous sommes un peuple prophétique. Toi aussi, ne réduis pas à la baisse ta mission, ta verve prophétique, parce que les gens sont contre, parce que les gens parlent, parce que les gens sont têtus, persévèrent. Au moins, ils reconnaîtront qu'il y a un prophète. Aujourd'hui, ils peuvent refuser, mais un jour, ils reconnaîtront. Si pas devant le tribunal de l'histoire, sinon devant le tribunal de Dieu, ils reconnaîtront. C'est l'histoire que je vous raconte des cinq doigts. Un jour, le petit doigt dit à ses amis, j'ai faim. L'annulaire dit, allons voler. Le majeur dit, et si Dieu nous voyait? L'index dit, qui va aller lui dire? Le pouce dit, moi. Les quatre doigts se coalisèrent et frappèrent le pouce et l'exilèrent. Regardez là où il se trouve. Il est en exil. On l'a poussé. Parce qu'il est le pouce, on l'a poussé. Il est maintenant ici à l'extrémité. Mais malgré ça, même s'il est court, il est le plus gros. Et c'est lui l'unité de mesure. Pour apprécier, on l'utilise. Pour déprécier, on l'utilise.
Il a dit, moi je vais aller dire à Dieu, si tu as faim et que nous allons voler, je vais dire à Dieu. Mais on l'a frappé et le pousse. Malgré qu'on l'a poussé et qu'on l'a relégué, le pouce est très important. On reconnaît sa valeur. C'est lui l'unité de mesure. Il apprécie, il déprécie. C'est la même chose aussi avec toi. Si tu dis la vérité, on peut te combattre. On peut te frapper. Mais ces gens qui te frappent, ils ont une conscience. Un jour, tôt ou tard, Ils reconnaîtront. Ah, Dieu a mis dans notre vie un prophète. Dieu a mis sur mon chemin un prophète. Et là, je pose la question. Si nous sommes tous un peuple prophétique, si toi aussi tu es un prophète et que moi aussi je le suis, ah, maintenant regarde, à mes côtés, tu joues quel rôle? Alors, préservons l'œuvre de Dieu. Si je fais ça, qu'est-ce que j'apporte au ministère? Qu'est-ce que j'apporte au travail du prophète, de l'homme de Dieu, de mon prêtre et de mon pasteur? Je préfère ne pas faire ça. Je me garde ça parce que ça peut discréditer le ministère.